Bonjour et bienvenue dans cette rubrique Trucs Astuces. Et aujourd'hui, donc, on va parler de la fonction concaténer afin de coupler, d'assembler le nom, le prénom et une date. Alors, on écrit donc égal concaténer. Voilà, donc on choisit le nom. On va utiliser le et commercial pour séparer le nom du prénom. Donc, on va mettre un espace également. Donc, guillemets, espace, guillemets. Le et pour rajouter donc le prénom. Voilà. Ensuite, eh bien, on va ajouter la date, donc et espace, donc et la date. Voilà. Je ferme la parenthèse et je valide. Donc, on a bien nom, prénom, mais on n'a pas la date, on a un chiffre. Effectivement, le chiffre, ce chiffre-là, donc en l'occurrence ici, 39 915, correspond en fait au 12 avril 2009 avec Excel. Parce qu'en fait, ce chiffre n'est pas formaté correctement. Donc on va le modifier. Donc ici, c'est à cause donc de la cellule D2, d'accord? Donc devant la référence D2, on va insérer la fonction texte qui va permettre justement de mettre un format correct. Donc à l'intérieur, les arguments, c'est d'abord la valeur, en l'occurrence ici D2, donc la date, hein, et le format, on va lui mettre donc un format entre guillemets. Sinon, ça n'ira pas. Et ici, on va insérer, par exemple, eh bien, on veut donc le jour, le mois et l'année. Donc, on va mettre jour, on met 2J, on va mettre une barre. Ensuite, le mois, on met 2M, une barre. Et 4A pour l'année, sans oublier de fermer les guillemets et de rajouter une parenthèse à la fin. Voilà. Donc, ici, on a bien nom, prénom, 12 avril 2009. Alors, si on veut faire quelque chose de correct, on peut mettre nom, prénom, né le 12 avril 2009. Donc, ici, juste avant la fonction texte, on va mettre et guillemets espace, donc né le espace, alors espace, pardon, voilà, et sans oublier le commercial, on valide, on a bien Bertrand Patrick par exemple, hein, né le 12 avril 2009, et je peux faire un double clic ici pour copier sur toute ma colonne. Voilà, à très bientôt dans cette rubrique trucs et astuces.